le CESVAC, Centre d'études spirites vendéens, présente La Petite Vigne, spiritisme pour la jeunesse, épisode numéro 30. Le spiritisme. Connaissez-vous ce monsieur? Savez-vous s'il a un lien avec ce livre? Le spiritisme. Il n'a pas eu de fondateur. Après avoir assisté à une séance de table tournante, Allan Kardec, qui est né en 1804 et qui est mort en 1869, a cherché à comprendre comment une table pouvait répondre intelligemment à des questions. Il a compris que c'était des esprits qui se communiquaient. Alors il leur a posé des questions par l'intermédiaire de médiums. Il a collecté toutes ces informations et il a écrit plusieurs livres, dont le premier est le Livre des Esprits. Les révélations apportées par les esprits montrent par des faits irréfutables l'existence et la nature du monde spirituel et ses relations avec le monde matériel. Le spiritisme nous explique clairement d'où nous venons, où nous irons ensuite et pourquoi nous sommes sur la Terre. C'est une science qui traite de la nature, de l'origine et du destin des esprits et des hommes, et de leur rapport entre eux. Le spiritisme peut être pratiqué dans tous les aspects de la vie, scientifique, moral, éducationnel et social. Il nous apprend que nous sommes des esprits immortels qui travaillons activement pour atteindre la perfection intellectuelle et morale, que ce soit sur la Terre ou dans le monde spirituel. Le spiritisme nous démontre aussi que la justice divine s'accomplit rigoureusement, que les bons seront récompensés et que ceux qui font le mal devront comprendre leurs erreurs et réparer le mal qu'ils ont fait. Ces principes fondamentaux sont l'immortalité de l'âme, la loi de cause à effet, la réincarnation, la pluralité des mondes habités, la communication avec les esprits, la foi raisonnée, l'évolution de tous et la morale par la charité et l'humilité. Tu peux retrouver tous ces sujets au fil des numéros de La Petite Vigne qui paraît chaque mois. La pratique spirite est gratuite et se déroule avec simplicité, sans aucun culte extérieur. Le spiritisme n'a pas de prêtre ni de gourou et n'utilise pas dans ses réunions ou dans ses pratiques des objets particuliers, ni des vêtements spéciaux, ni des rituels. Le spiritisme respecte toutes les religions et doctrines. Il apprécie tous les efforts faits dans la pratique du bien et œuvre pour la fraternité et la paix entre tous les peuples et tous les hommes. Il aide à la compréhension et à la prise en charge de façon très simple des phénomènes médiumniques. Sa devise est « Hors de la charité, point de salut ».